des quarts de finale, quatre pilotes se sont qualifiés directement pour les demi-finales. Ils doivent être 21 qualifiés, donc je vous laisse faire le compte, 10 et 11, ou 10 et 10, sur la direction de course. Allez, Vincent Philippon, Julien Ritty, Clément Boissé, Dora Lassagne, Norbert Lejeune. Pour l'instant, les quatre pilotes de tête n'ont pas pris leur tour joker, c'est trop tôt encore. La cinquième place pour Frédéric Hénin, le 61. Oscar Garcia en sixième position. Norbert Ledouéron, le numéro 29. Tour joker et ils se retrouvent pour l'instant avant l'avant-dernier. Et Corinne Marty, la numéro 113, qui continue son petit bonhomme de chemin. Nos hommes de tête se tiennent dans un mouchoir de poche. Julien de Saché, le numéro 19, qui prend son tour joker maintenant. Il devrait ressortir juste devant Oscar Garcia. Eh bien, la tête de la course n'a pas changé, c'est toujours la voiture de Vincent Philippon. Deuxième et troisième, ils vont beaucoup plus vite que leurs petits camarades de nos hommes de tête. Clément Boissé qui prend son tour joker. Frédéric Hénin et Julien de Saché côte à côte. Frédéric qui prend son tour joker. Oscar Garcia aussi. Le point sur la tête de la course. Vincent Philippon qui passe devant la direction de course, le numéro 40. Julien Ritty, le numéro 6. Clément Boissé, le numéro 18. Le numéro 19. Julien de Saché en quatrième position, cinquième. On retrouve Norbert Ledouéron, sixième, comme à la Sagne, le 42. Septième pour l'instant. Il a gardé l'avantage de sa deuxième place.
Renti. Il va ressortir. Normalement, il ne ressort pas. Ah, quoique. Il est sur sa lancée, Julien Renti. Ça lui coupe un petit peu les pattes, la sortie du tour joker de Vincent. Et bien, ma foi, ça s'est joué à pas grand-chose pour Julien Renti. Mais rien n'est fini. Il reste encore quelques tours de piste à réaliser. Et Vincent Philippon, a toujours les trois hommes. Corinne Marty qui prend un tour par Norbert Letéron. Thomas Lassagne toujours en sixième position. La septième place pour Pascal Bayon, huitième Oscar Garcia. Il manque pas grand chose à Julien Renti pour essayer de prendre davantage sur Vincent Philippon. Et effectivement, tant que les pilotes gardent leur trajectoire, il est relativement difficile de prendre l'avantage. Norbert Le Guéron, le numéro 29, en cinquième position. Sixième place Thomas Lassagne, septième Pascal Bayon, huitième, neuvième Oscar Garcia. Ah, Clément Boissier qui se montre présent sur la voiture de Julien Renti. Le numéro 18 et le numéro 6 pour la deuxième et troisième place. Julien de Saché en quatrième position. Et pour l'instant, l'homme de tête en la personne de Vincent Philippon n'a pas décidé de laisser sa place. Julien Renti dans la descente qui se montre très présent. Clément Boissier qui lui aussi est dans le coffre de Julien Renti. Julien de Saché, Norbert de Douéron. La tête de la course, c'est le numéro 40 et il va rentrer, je pense, dans son dernier tour. Vincent Philippon, Julien Renti, Clément Boissier. Julien de Saché. Oula, Julien. Ça fait carade pour Julien de Saché. C'est carade. Julien de Saché, le numéro 19. Ah, il est passé, Julien Renti. Julien de Saché. Et c'est un autre Julien qui a pris l'avantage. Julien Renti qui... qui clôture le classement. Il était en quatrième position pendant 9 tours. Comme quoi, tant que le drapeau à damier n'est pas tombé, il peut tout arriver. Et malheureusement, c'est un problème mécanique qu'on juge.
ça tourne plus que sur un cylindre.